Voilà, donc voilà comment se termine le championnat GT3 à la Team LSF. Donc c'était la dernière manche sur Daytona. Je ne vous spoil pas le résultat. Vous verrez dans la suite de la vidéo ce qui s'est passé. À savoir qu'il y avait pas mal de places qui pouvaient encore bouger, notamment sur le podium, 5e, 6e également. Donc je vous conseille de suivre la course si vous êtes intéressé par ce championnat. Donc cette petite voiture là qui nous a posé pas mal de soucis en termes de réglage. Mais bon, avec l'équipier Replinks, on a réussi à trouver un bon petit setup sur la première. Et en fait, on a modifié au fur et à mesure, et j'avoue qu'on s'en est pas trop mal sorti, que ce soit en individuel, en tout cas pour ma part, et en équipe. C'est vrai que c'était intéressant, un super championnat, très honnêtement, avec pas mal de participants. Il n'y a pas eu de grosses fautes, tout le monde était assez fair-play. Donc, à ce niveau-là, tout était très bon, donc n'hésitez pas à rejoindre la team LSF si vous voulez vous amuser avec du fair play et de bonnes batailles et puis une bonne partie de rigolade. Voilà, je vous laisse là-dessus et puis on se retrouve pour une autre course ou le prochain championnat. Salut à tous! Bon allez, on se retrouve sur la grille de départ. Je suis à l'extérieur, ça c'est pas top. Tu m'étonnes. Allez, on va partir pour 1 heure. Voilà, alors on est très très serré encore une fois sur la grille. Ah, ça démarre. Thérèse qui s'est encore passée. Alors la course est longue, c'est pas grave, enfin j'espère que j'ai pas. Je crois que c'est Y que j'ai tapé, je sais même pas ce qui s'est passé derrière. Je suis désolé si j'ai rien vu. Je démarre, je tape dessus. Allez, on va essayer de remonter ça parce qu'on est dixième. Autant dire c'est pas ce que je voulais. Je crois que j'ai jamais aussi mal démarré une course. Ouais, je perds le minimum de temps. Derrière, ouais, ça va me doubler ça.
Allez, faut pas se mettre la pression. La troisième place du championnat est en jeu. C'est pas le moment de flancher. On se fait déventer, on se place bien. Je vois pas qui est devant. Bishops. Ce virage là, pardon, il est très piégeux. Il faut vraiment se méfier. Ah, c'est Bad Boy devant. Un concurrent à la troisième place. Je suis désolé si vous m'entendez renifler, mais j'ai un peu la crève. Et bien évidemment, j'allais pas la louper celle-là. Hein.
Alors là, je l'ai rattrapé, je sais pas comment. Allez, on va se remettre dedans. On va se méfier avec les pneus, parce que là, on a dit, ils ont pris un petit coup. Allez, derrière, ça recolle tout doucement. Le pire, c'est que je crois que j'ai peut-être merdé sur la stratégie. Allez, je vais commencer à pouvoir prendre la spi. Et ça allume tes pneus. Thank you.
Mais c'est pas du drift. Hein. C'est David juste devant. Donc, je crois que c'est Bad Boy au classement général 4e, enfin 3e ex aequo avec moi et David 4e. Donc, je vais aussi faire attention de ne pas me faire dévamper. Allez, là je peux l'avoir. Attention au freinage, parce que je freine tôt. À mon avis, ils ont plus de carburant que moi. C'est pas possible. Allez, il aura peut-être pas trop d'aspi. C'est parfait. On est P5. Donc ça tient. Essayez de regarder les pneus ce que ça dit. Ça tient. Il reste 40 minutes. J'entends plus la McLaren, donc c'est bon. Il revient, hein. Augmenter son rythme.
Mad Boy s'est un peu raté. Cette pression. Voilà, je m'arrête. Là, ça s'arrête aussi, on dirait. Allez, 22 secondes. Voilà, je tombe dans le trafic, hein. Je sais pas si c'était la bonne solution.
Allez, maintenant, il n'y a plus que la météo tienne. Il n'y a plus que ça. Ça va pas se planter. Il fait chaud. Hein. On dirait que beaucoup de monde décale la stratégie. Hein. Pas grand monde qui s'arrête maintenant. Je perds nos points. Allez, ce qui paye, c'est la régularité. Pas allumer les pneus, ils sont encore en bon état. Sept minutes. Ouais, c'est bon. Ah ouais, je pense que ce pneu doit être fatigué aussi, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il est là, hein. Il ne lâche pas. C'est là que je vais un peu mieux. Allez, ça stabilise. 5 minutes. 3 tours et c'est bon. Troisième plage devrait être dans la poche. Enfin, il y a une manche joker. On verra tout ça à la fin. Ah, je me suis chié là-dessus. Quasiment moins d'une seconde.
sais pas s'il a l'aspirine. Allez, arrête de regarder derrière. Là, il y a la spine. Et devant, après tout. Hein. Donc la Ferrari n'est pas passée devant. Oh, ça va être chaud pour mes fesses là. Si proche du but, je sens que ça va être très compliqué. Ah, j'ai repris un tout petit peu de large. Ouais, tout petit peu. Hein. 2 minutes, ça va être 2 tours, je pense. Non show, bad boy. Je termine ce tour là, ça doit être ça. C'est fini, il ne reste plus qu'à assurer. Forcément, il va donner le tout pour le tout. N'importe quoi. Allez. Pas de pression, t'es devant. Thank you.
Allez, allez. C'est fini là. Allez, tu regardes pas derrière. Termine ton tour. Allez, c'est fini là. Non, c'est pas fini. Tu vas pas dire que oui. Ah, il est né, le bad boy. Celle-là, elle est belle. Donc normalement, c'est la troisième place. On se retrouve pour le débrief. Allez, salut.